Salut tout le monde. Je viens de trouver cette belle collection chez le marchand journaux. Donc c'est des camions de la marque Verlier. Et c'est une collection qui va être compensée par des camions de cette marque. Non, ici on voit quelques-uns. Bon, pour les personnes qui adorent les camions, moi j'aime certains types de camions. Peut-être dire, voilà, acheter quelques-unes. Je vais voir combien ça va monter le prix. Non, d'abord, je vais voir si ça vaut le coup. Mais il y a certains camions qui sont beaux. Hein. Celui-là, c'est une espèce d'ambulance, dépanneuse, la bétonnière. Donc il y a certains camions qui sont beaux en réalisation. Il y a camion poubelle, etc. Donc voilà, donc ça vient de sortir. Ah, ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est une dépanneuse. Ah bon, ça c'est joli. Donc moi à chaque fois simplement je montre les choses qu'il y a à nouveau quand je vais chercher mes collections en cours chez les marchands de journaux. Et j'achète toujours les numéros A, ah, je vous montre, mais je ne fais pas la collection, ok? Peut-être tu vas acheter quelques-unes. Hein. Et ça dépend, hein, comme j'ai déjà dit, du prix. Donc, on a ça. Donc, les numéros A est composé par cette camion-là. C'est. Je ne sais pas comment c'est le nom technique. C'est une benne de chantier. Donc. C'est bien, la partie qui contient les blisters, c'est un peu dur, mais c'est pas en boîtier. Donc vous avez la benne comme ça. Essayez de voir tous les détails qu'il y a en dessus. Bon, ce type de collection, sincèrement, il faut attention aux détails, non? On voit qu'il s'agit de quelque chose. Il est bien fait, hein. Donc, il y a le V1 qui est fonctionnel, il ça tient. Ça c'est sympa. On peut monter de cette façon comme ça et ça tient quoi. C'est joli comme camion. Donc on a tous les autres détails par-dessus, que c'est pas mal aussi. Malheureusement les roues, je regarde un peu en détail, les roues elles sont pas avec un bon support quoi. Donc ça fait que les pneumatiques ils sont dans n'importe quelle position. Essayez d'arranger un peu, mais ils sont vraiment, vous verrez si vous achetez. Quand vous démontez ça, il n'y a pas un vrai n'y a pas vraiment un vrai rail, non? Sinon il y a des mini trucs comme ça, donc la roue part dans tous les sens quoi. Donc vous savez que la pièce du châssis c'est un plastique, et il y a que la partie jaune et cette partie-là qui est en métal. Donc tout le reste c'est plastique. Comme vous voyez, les roues sont vraiment en caoutchouc. Et voilà. Donc c'est joli, hein. C'est joli comme truc. Donc comme ça on peut peut-être apprécier un peu plus les détails. Oh, les étiquettes et tout ça qu'il y a dedans. On voit le feu ici. La marque. On peut voir à l'intérieur aussi, qui est l'intérieur du camion. Il y a la chaise, il y a le volant. Les détails des roues sont sympas aussi. La partie arrière. Et voilà.
Donc, c'est la collection, c'est chez Hachette qui fait cette collection. Cette numéro 1, ça m'a coûté 6 euros, 5 euros quelques. Il me semble que le numéro 2, ça va coûter 10 euros, voilà. Le numéro 2, ça va coûter autour de 10 euros. C'est une espèce de bus ou camion de déménagement. Et après, je ne sais pas combien ça va coûter le numéro prochain, mais normalement, ça coûte la moitié du prix. Le numéro prochain, peut-être ça va être autour des 20 euros, 25, comme notre collection de camions. Donc, bon. Si quelqu'un est intéressé, voilà, il y a ça, c'est bon. Merci beaucoup et à la prochaine.